Tirage pour le deuxième semestre de l'année 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. Vous pouvez aussi regarder pour votre Vénus. Vous pouvez également regarder pour le signe de votre autre. De toute façon, faites comme vous le sentez. Moi, je vous invite à aller faire quand même le tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez par rapport à votre taroscope en regardant, voilà, pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et de toute façon, gardez en tête que c'est une projection sur les 6 mois à venir. Donc quand même, c'est un peu long. Hein, on peut oublier aussi une fois qu'on a regardé la vidéo. Et si jamais vous regardez la vidéo au début du semestre, n'hésitez pas quand même un peu à revenir là-dessus au fur et à mesure du temps. Voilà, peut-être qu'il y a des messages qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous, mais puis après, au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. Alors, on va quand même faire le tour sur tous les domaines de vie, comme on a l'habitude de faire, et on va démarrer déjà tout de suite avec cette carte. Alors, cette carte-là, comme vous voyez bien, on a la carte de l'amoureux, qui représente l'énergie dominante, le thème général de ce semestre. Alors là, il est question de choix, de décision importante, il est question aussi de potentiel pour des associations, des décisions concernant un engagement, qui peut être un engagement professionnel comme un engagement sentimental, et si vous êtes célibataire, certainement vous ferez une rencontre, minimum déjà une rencontre, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui bouge en ce qui concerne le relationnel, sentimental, tout ce qui est, voilà, opportunité d'association, de signature, d'engagement par rapport au travail. Mais aussi, avec cette carte-là, il est question évidemment de choix importants à faire. Hein. Avant que vous fassiez le choix, c'est tout à fait normal, c'est peut-être il faut accepter comme ça, c'est tout à fait normal, moi je trouve que vous serez aussi dans une période d'indécision. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a sur cette carte illustrée, on a une personne ici qui est la personne principale qui se trouve entre deux positions. Et cette personne, c'est comme si en fait elle est en train de prendre, si vous voulez, les opinions, voilà, les conseils des personnes autour de soi. Voilà, est-ce que je peux peut-être, voilà, je prends l'opinion de cette personne, est-ce que je prends l'opinion de cette personne, est-ce que je trouve un chemin ou une situation ou un juste milieu entre les deux. Hein, vous voyez, donc il y a l'idée ici d'hésitation, oui, hein, il faut accepter, ça fait partie aussi du processus quelque part, mais également c'est en écoutant les autres, en écoutant votre intuition, en demandant aussi à l'univers, certainement vous finissez par trouver le bon choix, hein, voilà, hein, ce que vous devez faire éventuellement. Alors aussi sur la carte, vous remarquez bien, on a Cupidon qui est là, donc c'est pour ça que je vous ai dit, pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont tout simplement ouverts à des possibilités de rencontre, hein, donc là, honnêtement, vous avez de la chance, vous avez une période positive devant vous pour faire une belle rencontre. Allez, déjà ici, on va démarrer le tirage tarot avec l'énergie de début de ce semestre et un petit peu aussi l'énergie récente ou ce que vous laissez quelque part derrière vous. Honnêtement, déjà, j'ai une autre confirmation parce que là, je me rends compte, j'ai eu en fait cette combinaison-là pour un autre signe. Je me rappelle plus c'est qui en fait, honnêtement je me rappelle pas, mais c'est pour ça c'est très important d'aller voir pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, parce que si ça ressort justement pour votre signe lunaire ou signe ascendant, c'est que vraiment c'est doublement fort, hein, pour vous, parce que pour un autre signe justement j'ai eu cette combinaison là et j'ai dit tout à fait c'est exactement valable pour vous aussi si vous êtes célibataire au début de ce semestre ou quelque part durant ce semestre, vraiment vous finissez l'année en rencontrant la bonne personne pour vous, parce que déjà vous voyez bien le roi et la reine de bâtons, deux personnes compatibles, deux personnes qui vivent sur les mêmes fréquences, on regarde les choses de la même façon, on cherche les mêmes choses dans notre vie d'une manière générale et vous allez vous retrouver, d'accord? Déjà, encore une fois ici, voilà, on vous le confirme à travers cette combinaison de cartes. Maintenant, comme je viens de vous le dire, cette énergie-là, pour moi, je ressens que c'est un petit peu à l'intérieur de vous que ça se passe, mes chers amis les taureaux, parce que j'ai l'impression que
vous serez amené ou vous serez appelé ou peut-être vous allez vivre des circonstances, des événements qui vous rappellent tout le temps votre confiance en vous, votre estime de soi, vraiment l'image que vous avez de vous en fait, comment vous vous, vous voyez, comment vous, vous voulez vous représenter dans le monde. Et je trouve que ça joue énormément dans la confiance en soi. Alors peut-être ici qu'il y a eu des blessures, il est question de blessures à travailler dans votre vie, dans cette vie pour vous mes amis, et ça se travaille sur ça éventuellement. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, juste, excusez-moi, je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, en regardant un peu votre état d'esprit, et cette reine de bâton, elle ressort encore là, hein, je vais vous le dire, je vais vous le montrer après. Là, si vous voulez, on a une notion d'ambiguïté. On a quelqu'un, justement, qui a été... parce que avec cette carte-là, on a... On est un petit peu dans le flou, d'accord ? On n'est pas sûr peut-être de ce qu'on doit faire, on n'est pas sûr justement de ce qu'on doit dire, les choix qu'on doit faire, etc., etc. Et ça, je trouve que, à la limite, c'est ce que j'ai senti pour une bonne partie d'Amis Taureaux, c'est en connexion à votre estime de soi, votre confiance en soi. C'est peut-être aujourd'hui, vous êtes un peu dans cette ambiguïté, dans cette flou, parce que vous ne vous faites pas confiance. Parce que je pense ici... Surtout avec la carte de la lune c'est l'intuition. Donc je pense que vous avez votre intuition, vous avez votre boussole intérieure, d'ailleurs on a tous notre intuition, sauf qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus connectées à leur intuition que d'autres, d'accord ? Mais on a tous hein, notre intuition, on est né avec ça. Et on a l'instinct aussi, évidemment. Donc là, je trouve que ça, c'est déjà à votre disposition. Mais moi, je trouve que peut-être dans des circonstances ou dans certains cas, vous êtes un peu en dissonance par rapport à ça. Ce qui fait qu'en fait, vous ne faites pas confiance. Hein, voilà. Je pense que c'est une parmi les choses que vous serez amené à travailler là-dessus sur cette période-là, en fait, amis taureaux. D'accord ? Maintenant aussi, avec ces cartes-là, on vous dit de faire attention, si vous voulez, par rapport à tout ce qui est illusion, désillusion. Alors certainement, moi je vais vous dire un truc, hein, il y a une forte possibilité qu'il y a des masques qui vont tomber hein, autour de vous. D'accord ? Donc vous ne serez pas surpris, évidemment, si jamais il y a quelque chose qui peut arriver comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut parler de désillusion. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Alors ici, dans le domaine sentimental relationnel, ben, là, avec le 5, déjà au début, j'ai ressenti comme une notion de concurrence. Bon, là, on peut parler évidemment de rivalité, de concurrence. Hein. Peut-être que vous serez intéressé par quelqu'un ou vous êtes déjà avec quelqu'un qui n'est pas à 100% disponible. Maintenant, c'est une carte qui peut parler de conflit avec quelqu'un ou conflit avec soi-même. Alors, bon, déjà, conflit avec quelqu'un, là, j'ai la justice qui peut éventuellement parler de démarches de divorce, démarches de... Voilà, hein, peut-être on a envie de régler une séparation des biens, on a envie aussi de régler une garde des enfants, des pensions alimentaires, etc., etc., d'accord. Mais aussi, je trouve que si jamais vous avez des conflits intérieurs, encore une fois, c'est en connexion avec cette fameuse confiance en soi. Elle ressort encore une fois ici. Et je trouve que pour certains taureaux, vous avez vraiment une leçon à apprendre durant ce semestre par rapport à ça. Je trouve ici que vous avez ce conflit intérieur, vous n'avez pas encore retrouvé cet équilibre, cette sérénité à l'intérieur de vous, peu importe si vous êtes en couple ou en triangulaire ou tout simplement célibataire, c'est à cause du fait que vous manquez de confiance en vous. Vous n'avez pas cette estime de soi, je pense que vous l'avez perdue pour un certain temps. Certainement vous allez pouvoir le retrouver plus tard d'ici la fin de l'année hein, voilà, au plus tard je dirais. Par contre tant que ça s'est pas trouvé, donc là on peut toujours en fait se retrouver dans cet état de voilà, dissonance, conflit avec soi-même, on a l'impression qu'on n'est pas respecté, on a l'impression aussi qu'on attire des gens justement qui nous rappellent ces leçons qu'on doit apprendre, vous voyez, dans notre vie. Voilà, donc tant que ça s'est pas fait justement, hein, y a du travail à faire un peu de votre part mes chers amis les taureaux. Mais évidemment, pour d'autres personnes ici, voilà, comme je viens de vous le dire, hein, là, ça peut être une concurrence, ça peut être une triangulaire. On peut être ici, avoir des histoires avec deux ou plusieurs personnes en même temps, mais éventuellement, vous avez des choix à faire. Je reviens ici à cette idée-là, hein, pour garder un équilibre, pour retrouver un équilibre, parce qu'aussi, être avec plusieurs personnes ou être dans une triangulaire, ce n'est pas un état d'équilibre. C'est une situation qui est très délicate, vous le savez. Hein. Et donc là, pour justement retrouver cet équilibre-là, vous avez des choix à faire de votre part, mes chers amis les taureaux.
Alors, en ce qui concerne la carrière, le travail, on a le diable. Bon, le diable, il peut nous parler du fait que vous allez faire quelque chose qui vous passionne dans la vie. Vous allez peut-être tracer un chemin dans votre carrière, dans votre vie active. Vous allez peut-être démarrer des projets qui vous passionnent énormément. Parce que là, c'est vraiment la passion avec un grand P. Mais surtout, là, on parle d'argent. La carte du diable, c'est une carte excellente en ce qui concerne l'argent. Donc, ce que vous faites, c'est quelque chose qui vous apporte de la valeur. D'accord, la valeur matérielle, ne peu importe la valeur, peut-être votre image aussi, voilà, votre mission de vie possiblement, d'accord, pour certains taureaux. Mais c'est vrai qu'ici, ce que vous faites, c'est quelque chose qui vous apporte un plus. Alors maintenant, avec cette carte-là, il faut faire attention. Encore une fois, c'est toujours l'idée d'équilibre, parce que avec cette carte-là, on peut passer à l'extrémité. On peut devenir vraiment des personnes, vous voyez, qui travaillent. Hein, on se perd dans le travail. On n'a plus de vie, on peut pas par exemple passer du temps avec les amis, avec la famille, etc. Donc là, hein, c'est un peu le côté dépendance, c'est un peu le côté, voyez, attachement à certaines choses. Donc là, c'est par rapport à ça, il faut tout simplement faire attention, parce que oui, vous rayonnez, vous brillez dans ce que vous faites, mais évidemment, il faut aussi faire les choses en équilibre. Voilà. Alors, si par exemple, vous cherchez maintenant dans votre vie à peut-être une reconversion ou vous voulez faire quelque chose de nouveau dans votre vie, demandez-vous qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, d'accord? Et faites peut-être d'une passion une source d'argent. Je pense que ça va vous réussir énormément à travers les cartes que j'ai ici devant moi. Alors, le financier, ben, on a dit déjà tout à l'heure qu'on a quand même une valeur, on a quand même ici une notion de réussite financière, et on le voit également avec cette carte, mais cette carte-là, elle a une particularité de me parler d'une possibilité de nouvelle source d'argent. On peut être ici vraiment sur une nouvelle source d'argent complètement, peut-être une autre source en parallèle, on peut avoir plusieurs, vous voyez, sources de revenus, pourquoi pas. On a envie peut-être aussi de créer d'autres sources d'argent pour avoir un petit peu plus de flexibilité, un petit peu plus de stabilité. Alors maintenant aussi, on peut parler de projet qui démarre. Avec cette carte-là, on est vraiment un peu sur le début, si vous voulez. D'accord? Voilà, un projet, un produit, un nouveau produit que vous déclenchez, quelque chose de nouveau que vous mettez en place qui peut vous aider aussi à avoir de l'argent, quelque part des revenus. Alors aussi, ce que je pourrais voir pour certains taureaux, il est possible que vous allez vous investir dans des formations, dans des examens, peut-être pour votre carrière, ça peut être aussi pour autre chose dans la vie, mais on voit bien que c'est un investissement qui va vous apporter quelque chose ultérieurement. Voilà. Alors, en ce qui concerne votre entourage, on a le 3 de bâton, le 3 de pentacle. Là, c'est l'aide, l'entraide. Là, c'est vraiment le fait d'avoir un bon entourage qui croit en vous, qui vous soutient, qui est là pour vous, que ce soit des amis, des membres de la famille, le partenaire, les enfants. Donc là, vous êtes bien entouré, vous trouverez de l'aide en cas de besoin, peu importe le type d'aide. Et certainement, cette carte-là, elle vous dit souvent, vous serez beaucoup plus efficace, vous serez beaucoup plus fort si vous acceptez l'aide des autres. D'accord? C'est vraiment l'esprit de travail d'équipe, finalement. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'aide, justement, ce qui peut vous aider, ce qui va vous aider aussi, là, c'est vraiment l'idée de faire table rase à certaines choses. L'idée aussi d'accepter que c'est la fin pour certaines choses, certaines personnes, certaines relations, certaines façons de faire dans votre vie pour laisser de la place, justement, pour du nouveau. D'accord? Je pense aussi que c'est une technique qui peut vous aider énormément dans votre vie, parce qu'on voit bien, comme je viens de vous le dire, on a eu cet état d'esprit qui est marqué par une ambiguïté, je ne sais pas trop ce que je fais, je me sens perdue. Donc peut-être que le fait de faire un ménage un peu sur votre vie, le fait de faire le tri, le fait vraiment de faire un bilan sur ce que vous avez, sur ce que vous avez envie de garder, sur ce que vous n'avez plus envie de garder dans votre vie, ça va vous aider énormément à trouver de la clarté. Voilà. Alors, en ce qui concerne les choses à travailler, évidemment, et le conseil. Bon, là, encore une fois, ça ressort. Je pense, vous voyez bien, ça ressort à plusieurs reprises. La confiance, l'estime de soi, le charisme. Prenez bien soin de vous, votre image. Comment vous voulez que les autres vous voient dans la vie? Quelle image ou quel profil vous voulez donner aux autres? Ça, c'est très important. Peut-être aussi, c'est important pour vous parce que vous avez une carrière particulière. Peut-être c'est très important pour vous, pour votre travail, pour les choses que vous faites dans votre vie, mais également pour vous en tant que personne.
voyez? Alors ici, surtout, hein, encore une fois, j'insiste sur la confiance et l'estime de soi. Je pense vraiment qu'il y a une grande leçon dedans, mes chers amis les taureaux, pour vous sur ce semestre. C'est peut-être quelque chose hein, que vous connaissez, quelque chose sur lequel vous travaillez quand même depuis un certain temps, d'accord? Alors aussi, c'est une carte qui va me parler d'esprit d'entrepreneuriat. Donc moi, je trouve que pour certains taureaux, si, encore une fois, je reviens hein, sur le diable, parce que les diables aussi, c'est une carte de restriction. Des fois, vous voyez bien, on a des chaînes hein, qui connectent ces deux personnes. Ça veut dire, oui, on a peut-être certaines libertés, mais pas en regardant de près, mais pas aussi, voilà, mais pas vraiment aussi efficace que ça, d'accord? Alors moi, je pense ici, si vous êtes dans un travail, par exemple, ou dans une carrière, ou dans des projets dans lesquels vous manquez de liberté, dans lesquels vous sentez que, bon, vous ne pouvez pas évoluer parce que il y a ceci, il y a cela, etc. Bon, il est fort probable hein, que vous allez pouvoir peut-être considérer de faire autre chose. Alors ici, avec le roi de bâton, on peut parler d'entrepreneur carrément, dans le sens où je crée ma propre entreprise, je crée mes propres projets, je deviens mon propre chef. D'accord? Allez, en ce qui concerne la finalité, donc la conclusion, comment vous allez finir votre année, là, on a un nouveau départ. Là, vraiment une nouvelle passion. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle carrière. Donc, en fait, moi, je trouve que les choses qui vous tracassaient au début du semestre, la non-clarté que vous avez eue, l'idée de quelqu'un qui se cherche, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop ce qu'on veut, oui, on tâtonne, peut-être que là, on essaye quelque chose, mais on se rend compte que finalement, on n'est pas à 100% satisfait. Donc, je trouve que vous allez pouvoir finalement retrouver ce que vous voulez avoir, retrouver ce qui vous manque d'ici au plus tard, la fin de l'année. Et ça va être le résultat, si vous voulez, d'un nouveau départ, une nouvelle opportunité que vous allez pouvoir saisir éventuellement dans votre vie. Et encore, j'insiste hein, sur l'idée d'amour, la rencontre, hein, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que ça ressortait là aussi, voyez, le 2 de coupe, je vous ai parlé tout à l'heure, si hein, vous vous séparez de quelqu'un, vous êtes célibataire, ou vous serez hein, dans l'énergie de rencontre, et ben, sachez que c'est une très belle période, une période très favorable justement pour faire une belle rencontre. Voilà, ça on vous le dit déjà depuis le début carrément de votre tirage. Hein. Voilà, ici on a la notion de nouveau départ, vous voyez bien. Et surtout ici avec le fou, c'est que en se projetant dans ce nouveau départ, il y a une condition. Il faut garder uniquement l'essentiel. Il faut emmener uniquement l'important. Il ne faut pas tout emmener. On ne peut pas tout emmener de toute façon. C'est là où ça intervient l'énergie de la transformation, l'arcane de la mort dont je vous ai parlé tout à l'heure. Table rase, un grand ménage, faire le tri, garder l'essentiel. Hein, et laisser de la place pour du nouveau. Voilà, c'est ce qui va vous aider énormément, vraiment dans ce semestre. D'accord? Alors, j'ai envie aussi de vous parler de quelque chose d'autre. Alors, moi, je réalise des rituels, je propose des rituels et je propose aussi des potions magiques. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. De toute façon, je travaille bien évidemment avec vous. Hein, tout ce que je fais, c'est customiser votre énergie, votre nom, prénom, votre date de naissance. Donc, selon vos besoins, admettons, vous cherchez par exemple à attirer de l'amour dans votre vie. Voilà. Donc là, on réalise un certain rituel. À la fin du rituel, j'ai créé cette potion. Hein. Vous voyez, c'est pareil. Là, je vous montre un peu une potion que j'ai créée déjà. Donc, je réalise ça avec des produits naturels, comme vous voyez bien, et je vous l'envoie par poste. Vous le recevrez par poste. Et donc, je vous indique après ce que vous devez faire avec, justement, pour activer cette énergie, pour activer cette magie. D'accord? Là, par exemple, on a une potion pour attirer l'amour. J'en ai d'autres pour, par exemple, ici, pour bannir les personnes négatives, d'accord, de sa vie. Là, c'est la protection. Comment vous protégez vous-même, une protection sur vous. Là, par exemple, pour l'abondance dans la vie, voilà. Et celle-là, par exemple, pour attirer la chance, renforcer aussi sa chance. J'en ai d'autres également, donc ça dépend de vos besoins. J'ai toute une liste, hein. Évidemment, ça dépend de ce que vous cherchez. Mais par contre, là, voilà, hein, j'ai pas de place pour tout vous montrer. Mais je vous ai montré quand même un peu l'essentiel. Mais si vous avez besoin d'autres choses, évidemment, vous trouverez tout sur mon site internet. Voilà, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter à tout moment. Voilà. Et on rentrera en contact ensemble pour travailler un peu sur vos énergies et vous aider un peu à avoir
d'avoir ce coup de pouce, si vous voulez, avec les énergies, avec des éléments naturels, hein, pour vous aider à avancer. Voilà. Sinon, voilà pour vous. Je vous laisse sur ça, mes chers amis les taureaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.